Salut, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment avoir accès aux variables de configuration ou variables environnementales de Django. Les variables de configuration sont des éléments clés pour tout projet Django, car elles permettent de configurer le comportement de l'application. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment accéder à ces variables en utilisant Django Conf. Donc, nous allons aller dans ce projet. Je vais aller dans le setting. Par exemple, dans le setting ici, nous avons une variable API key payment. OK? Ça veut dire techniquement que c'est la clé qui permet d'avoir accès à l'API de paiement. OK? Donc, admettons que je veux utiliser cette API key dans une vue. OK? Première des choses à faire, je vais dire from django.conf import setting, tout simplement. Après ça, je vais aller dans ma vue, par exemple ici. Je vais dire API qui est égal à setting. Je vais aller dans le setting, copier le nom de ma variable. OK. Ici, je mets là. Donc, setting, le nom de la variable. On est d'accord. Contexte égale API key. 2.API key. Context. Tout simplement. Et là, dans mon fichier, ici, je peux afficher ma variable ici. Variable API key 2. Donc c'est pour vérifier que nous avons vraiment accès. API key. Je vais aller au front dans le navigateur. Donc si j'actualise là, vous voyez que on a accès à l'API key. OK, qui est une variable qui vient du fichier setting. OK, donc une variable de configuration ou une variable environnementale. OK. Super. Donc, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que vous avez aimé. Si tel est le cas, faites-moi savoir cela en commentaire et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et si tu n'as pas encore rejoint notre serveur Discord où nous vous aidons à régler vos bugs, alors n'hésite pas déjà à rejoindre cela. Et si tu as une idée sur une vidéo que tu veux que je fasse qui puisse t'aider à avancer dans le domaine du software, alors n'hésite pas aussi de proposer cela dans le serveur Discord. À nous revoir dans la prochaine vidéo.